Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Animal Crossing. Il y en a qui font sur YouTube des vidéos, ils font visiter leur appartement. Mais moi, mon appartement, franchement, il est pas cool à visiter. Alors que ma maison dans Animal Crossing, elle est quand même vachement plus chouette. Donc voilà, je vais vous faire visiter ma maison. C'est parti! Un peu de son. Alors voici mon personnage, c'est moi, je suis beau gosse hein, avec mon petit pull de toutes les couleurs. Je m'appelle Kuma, Kuma ça veut dire petit ourson, enfin ourson tout simplement en japonais. Tout d'abord vous voilà dans mon jardin et là je viens de recevoir un petit chat fétiche comme ça par la poste. Je suis ultra contente, il est trop mignon. J'ai des petites fleurs bleues. Je viens juste de faire mon jardin, donc pour l'instant, il est simple. Hein. Pas de jugement. Quand on va sur le côté, par ici, nous avons un petit escalier qui descend directement à la plage. Et ça, c'est genre mon endroit préféré dans le jeu. Je suis trop contente. Avec une petite avancée, je peux m'asseoir sur mon petit banc et regarder la mer. Et voilà, je suis contente. Et là-bas, j'ai un phare. Avec mon copain le nain de jardin. Voilà, j'aime bien aller lui rendre visite. Quand on descend pas... Mais c'est quoi ça? Pourquoi j'ai une fleur qui a poussé sur mon chemin? Ah, je te jure, le jardinage. C'est pas mon truc. Bref, voilà. C'est mieux. Donc voilà, ma petite maison avec mes petites cascades et mes petits bambous. Et là-bas, il y a le reste de mon île. Mais je ne vais pas vous montrer le reste de mon île parce que pour l'instant, c'est en travaux. Donc ça fera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Bref, je vais vous montrer dans ma maison. Commencez. Nous voilà dans ma maison, dans mon petit salon. Je l'adore. Alors déjà, mon endroit préféré, c'est là. Un petit piano à queue. Je remercie celle qui m'a offert le piano à queue d'ailleurs. J'étais si contente. Et voilà. Il joue bien Kuma. Il a son petit métronome et tout. Bref. Là, j'ai mon petit coin salon. Avec mon petit canapé. Ma petite tasse de café, chocolat chaud. C'est pas trop quoi. Ma... petite cheminée avec mon écran de télé au-dessus. J'ai un saxophone parce que dans le jeu, je sais jouer du saxophone. Regardez comme je joue bien. Je sais jouer du xylophone. Et j'ai une guitare électrique. Joue. Allez, joue. C'est bien, t'es sage. Bref, donc voilà pour ma pièce. Principal. Après nous avons la cuisine. Très important la cuisine. Ma petite cuisine jaune. Je trouve qu'elle va bien avec, avec mon personnage, avec sa petite auréole. Bref, j'ai un frigo. Et quand on ouvre le frigo, ils nous disent « Que comptes-tu faire en ouvrant le réfrigérateur ?» Alors moi je me dis « Bah bouffer ! Qu'est-ce que tu veux faire en ouvrant ce réfrigérateur ?» Changer de vêtements. J'ai trouvé ça trop bizarre. Genre tu changes de vêtements dans ton frigo. Je crois qu'ils ont eu un petit souci dans le développement du jeu. Bref, j'ai ma petite gazinière, mon petit micro-ondes, tranquillou, ma poubelle, enfin bref. J'ai tout ce qu'il faut. J'adore ma cuisine. Voilà, je m'assois, je suis bien, je prends mon petit thé. Bon, je peux pas trop boire mon thé, mais c'est pas grave. Après, j'ai une autre pièce là-bas. Alors là, c'est la chambre d'amis. Donc si vous venez me rendre visite, vous ferez dodo dans cette chambre-là. Ça va, c'est mignon quand même. Vous avez une petite guitare, un petit bureau, tranquillou. Vous avez même une petite chaise, un rocking chair plutôt. Et vous avez même une harpe. C'est la classe, parce que je sais jouer de la harpe aussi dans le jeu. Franchement, je suis vraiment beaucoup trop douée dans le jeu. Hop, après nous allons visiter ma salle de bain. J'ai fait un petit peu la salle de bain de mes rêves.
Donc voilà, petite salle de bain style un peu japonais avec une baignoire parce que je kiffe trop les baignoires et j'aimerais trop avoir une baignoire dans la vraie vie. Mais j'en ai pas, du coup j'en ai une dans Animal Crossing, je suis contente. Plus un petit bain d'eau thermale parce qu'il faut se mettre bien un peu. Et puis après, nous avons des toilettes japonaises, très important, pour faire pipi dans de bonnes conditions. Regardez, voilà. Il tire sa sasse d'eau en plus, il est propre. Bref, voili voilou. Et puis avec le tatami là par terre, j'adore les tatamis, je trouve ça trop joli. Mais genre c'est tellement pas logique de mettre ça dans une salle de bain quoi. Dans la vraie vie ça, ça pourrit de partout. Mais bon, nous sommes pas dans la vraie vie. C'est ça qui est bien. Maintenant nous allons aller visiter ma chambre qui est là-haut. Donc nous voilà dans ma petite chambre, dans ma grande chambre d'ailleurs, elle est grande quand même ma chambre. Donc nous avons un piano, un plus petit piano, mais quand même. Comme ça, j'ai des instruments dans quasiment toutes les pièces, ça c'est trop cool. Je suis trop contente. J'ai ma petite guitare que j'ai faite moi-même avec mes petites mains. Et oui, parce que moi dans le jeu, je sais fabriquer des guitares, donc voilà. Ma petite chaîne Hi-Fi, voilà, pour mettre la musique à fond dans ma chambre. La petite plante, le petit lit pour faire dodo. Et mes petits doudous, mes gros doudous plutôt. J'en ai deux comme ça, pas de jaloux s'il y a quelqu'un qui vient dormir dans mon lit, je lui prête un doudou. Je suis vraiment trop sympa comme meuf. Et j'ai ma Switch là-haut aussi, regardez. Bref. Et il nous reste la dernière pièce, qui est franchement pas super bien aménagée pour l'instant. À la base, c'était une cave, mais je me suis dit que j'allais en faire un truc un peu sympa. Et pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Donc ici, nous avons l'endroit où je fais mes vidéos YouTube. Parce que je suis youtubeur dans... Je suis youtubeur, moi, dans Animal Crossing, vous comprenez. Comment je peux allumer ça? Je peux pas allumer ma caméra? Allez, allume-toi, caméra. Peut-être je peux. Mais je suis vraiment pas douée. Hein. Ah, je l'ai allumé. Avec mes petits cactus. Une basse là-bas. Je sais pas pourquoi. Hein. Et ici, j'ai mon petit coin bureau. Ma petite chaise, mon petit ordinateur. J'ai un livre sur des papillons. Why, je sais pas. Et là, c'est mes habitants, mes petits habitants trop mignons, je les adore. J'ai des posters d'eux. Et ma petite caisse de jouets, why encore, je sais pas. Écoutez, hein, on meuble la maison avec les meubles qu'on a. Hein. Et voilà, c'était la dernière pièce de ma maison, qui est quand même vachement grande parce que je suis riche dans le jeu. Grâce au navet, hein, faut pas se mentir. Et voilà, la fin de la petite visite. Donc voilà, c'était juste la visite de ma maison pour l'instant. Je suis en plein travaux sur mon île, mais une fois que mon île sera finie, je pourrai vous faire visiter mon île aussi. Vous avez encore jamais fait le coup des jeux vidéo sur ma chaîne, et je vous avoue que normalement, c'est pas du tout mon délire de jouer aux jeux vidéo, mais bon, confinement oblige, j'avoue que Animal Crossing, ça fait du bien quand même. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous jouez à Animal Crossing, et laissez-moi vos codes amis en message ou en commentaire. Comme ça, on pourra chacun aller visiter les îles des autres et c'est cool. Sinon, pour les autres, j'espère que ça vous aura plu quand même, même si vous y jouez pas. Et que vous aurez kiffé ma maison. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins et je vous dis à bientôt. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. À bientôt !